Bienvenue à la vidéo de montage pour votre fumoir au propane smoke de Brawlking. Veuillez utiliser cette vidéo comme un soutien pour votre manuel de montage. Vous aurez besoin des outils suivants. Ouvrez le carton et disposez soigneusement tous les composants sur le terrain. Étape numéro 1. Utilisez les 4 boulons et les écrous à oreilles pour fixer les vérins et les roulettes en place sur le pied arrière. Étape numéro 2. Fixez les pattes avant et arrière en utilisant les supports de pied. Fixez-les à l'aide des 8 vis fournies. Étape numéro 3. Enlevez les portes des armoires et fixez l'assemblage du brûleur sur le corps des armoires à l'aide des 3 vis fournies. Fixez la chaîne d'allumage par allumette au coin de la base de l'armoire à l'aide de l'écrou et le boulon fourni. Étape numéro 4. Fixez la base à la partie inférieure du corps de l'armoire à l'aide des 6 vis fournies. Assurez-vous que le tube de brûleur Venturi est situé solidement sur le clapet. Étape numéro 5. Fixez l'assemblage du pare-chaleur à l'aide des 8 vis et des 4 écrous fournis. Étape numéro 6. Fixez l'électrode de l'allumage du corps du brûleur à l'allumeur électronique. Étape numéro 7. Mettez l'armoire en position debout sur ses pieds. Étape numéro 8. Insérez la batterie AAA dans l'allumeur électronique et réinstallez le bouchon allumeur. La borne positive doit être orientée vers l'extérieur. Étape numéro 9. Fixez l'ouvre-bouteille sur le côté gauche de l'armoire à l'aide des 2 vis fournies. Installez les 4 crochets d'outils, 2 sur chaque côté de l'armoire. Étape numéro 10. Fixez la poignée de manutention en utilisant les 2 boulons à tête de chrome. Insérez les bagues dans les boulons et fixez la poignée à l'aide des écrous à oreilles fournis. Étape numéro 11. Installez le renfort du corps du meuble avec les 4 vis courtes. Étape numéro 12. Installez le bac à graisse rabattable avec les 4 vis à épaule fournies. Installez 2 vis à épaule supplémentaires au point de fermeture du bac à graisse. Celles-ci vous permettront de verrouiller le plateau en position verticale. Les vis inférieures agissent comme un point de pivot, tandis que les vis supérieures servent de guide. Étape numéro 13. Fixez la jauge de température et la lunette. Complétez le montage des portes supérieures et inférieures en installant les poignées de porte avec les 2 douilles et les écrous. Étape numéro 14. Fixez les portes en utilisant les 4 boulons de charnière fournis. Étape numéro 15. Insérez le plateau de graisse dans le bas du corps de l'armoire. Étape numéro 16. À l'intérieur du corps de l'armoire, installez 2 supports de grille au fond et de chaque côté. Ceux-ci permettront d'accéder
au plateau d'eau depuis la chambre à feu. Étape numéro 17. Installer les supports de grilles restants. 8 de chaque côté pour les grilles métalliques. Espacez les grilles selon vos besoins en matière de grillade. Étape numéro 18. Vous pouvez également utiliser le support de côte rôti fourni en combinaison avec les grilles métalliques. Étape numéro 19. Les crochets en acier inoxydable sont une autre option pour fumer le poisson, les saucisses et beaucoup d'autres aliments. Vous avez monté votre fumoir en propane smoke rocking avec succès? Avant la cuisson, ajoutez des copeaux de bois à la chambre de fumaison et allumez votre fumoir au propane pendant environ 30 minutes. Cette pratique créera une couche protective et prolongera la vie de votre fumoir. C'est le bon moment d'enregistrer votre grille. Veuillez visiter brokingbbq.com aujourd'hui et cliquer sur le lien. C'est rapide et facile. Nous vous offrirons le meilleur en soutien à la clientèle, des idées de recettes, des vidéos informatives, conseils de cuisson et beaucoup plus.